الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه أجمعين شيخ سير شيخ خير مرحبا بكم merci d'être fidèle à votre émission avec le Jules. Nous rejoignons ce canal à Jury. Merci, Dr. Jouhri, d'être parmi nous pour répondre que sur nos chers téléspectateurs. Et nous sommes à quelques jours du mois de Ramadan, Dr. Jouhri, temps attendu. Oui, Rabbi, Ramadan. Et le mardi, c'est la nuit de doute. Et beaucoup de téléspectateurs qui veulent savoir des détails sur cette nuit. Qu'est-ce que la signification de la nuit du doute, de doute, etc. Qu'est-ce que vous en dites, docteur Jouhri? Bismillah, salatu salam wa ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Docteur, d'abord je rappelle, mon cher téléspectateur, que nous mettons à leur disposition un numéro de téléphone qui va s'afficher sur l'écran pour nous contacter, nous appeler pour poser leurs questions. Voilà le numéro de téléphone, ainsi qu'un email à virodijuattaché@gmail.com. Fadda, docteur. Izid fadlak, maître Migari, comme vous savez, le mois lunaire est composé soit de 29 jours, soit de 30 jours. Il ne peut pas y être mois, ni plus. Jamais 31. Voilà, jamais 31 ou jamais 28. Et le prophète, alayhi salam, dans un hadith, a dit « Al-shahru hakada » en faisant trois fois les 10 doigts comme ça, ou « Al-shahru hakada » en pliant un des doigts la dernière fois, c'est-à-dire indiquant que le mois peut être 30 jours ou 29e jour. Et par rapport au mois de Ramadan, bien sûr, c'est de la même sorte pour tous les mois, pour tous les mois. Que ça soit le mois de Ramadan ou le mois de Shawwal, mais il y a toujours une nuit de doute, c'est-à-dire à la fin du mois lunaire, quand on arrive au 29e jour, la nuit qui vient après, on l'appelle la nuit du doute. C'est-à-dire, on a le doute, est-ce que le lendemain sera la première journée du mois qui va venir, ou cette journée-là du lendemain, on va compléter avec elle le mois précédent en nombre de 30 jours. Et le prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, par rapport au mois de Ramadan, nous a dit « Soumou li ru'yateh wa aftiru li ru'yateh », c'est-à-dire jeûner à la vue du croissant lunaire, qui est l'indication en quelque sorte que la journée qui va venir appartient au mois prochain. Sinon, si vous ne le voyez pas, compléter le mois précédent au nombre de 30 jours. Soumou li ru'yateh wa aftiru li ru'yateh, de la même sorte aussi pour l'Aïd, le premier jour de Shawwal. Il dit فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَثِينَ. C'est-à-dire, si vous ne pouvez pas voir le croissant lunaire, ça veut dire que ce mois dont vous êtes, il sera complété par le 30e jour. C'est ça que ça veut dire la nuit du doute. C'est-à-dire, on a le doute, est-ce qu'on va compléter le mois par le 30e jour, ou le lendemain sera la première journée du mois prochain. Et bien sûr, l'importance de la nuit du doute se trouve dans l'importance de la première ou du premier pilier du jeûne, c'est-à-dire formuler l'intention de jeûner. Et il faut que ça soit avant l'aube, c'est-à-dire pendant la nuit précédente, c'est-à-dire la journée qu'on va jeûner. C'est-à-dire, si la commission de muraqaba, c'est-à-dire d'observation du croissant lunaire, dit que le Ramadan sera le lendemain, commencera le lendemain, il faut y avoir cette information-là pour formuler cette intention de jeûner, bien sûr, le lendemain. Parce que celui
qui se réveille le lendemain, il n'a pas formulé l'intention de jeûner cette journée-là, il va la compléter pour respecter, on va dire, la sacralité du mois de Ramadan. Il va jeûner jusqu'au coucher du soleil. Mais il est invité à rembourser cette journée-là après le mois de Ramadan. Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas formulé l'intention qui est l'un des deux piliers du jeûne du mois de Ramadan. Nous avons au bout du fil, c'est Madame Aïcha de Cannes. Elle est toujours avec nous ? Non, elle est partie. Khan nous a demandé, je ne sais pas, qu'est-ce qu'il est-il permis de jeûner le jour, la nuit du doute, ben là, c'est le 29e jour du mois de Sha'ban. Ouais. Pour celui qui a jeûné tout le mois de Sha'ban, c'est permis. Il n'y a pas d'indésirable dans ce sens-là. Ou dans ce sujet-là, il peut coller en quelque sorte le mois de Sha'ban au mois de Ramadan. Mais dans beaucoup d'écoles juridiques, ils disent que jeûner seulement c'est-à-dire la journée du 29e jour est indésirable. Ce n'est pas interdit, mais ça restera indésirable à éviter bien sûr, pour ne pas induire aussi les gens en erreur. Bon, avant, quels sont les gens qui sont concernés par cette obligation de jeûner, par ce pilier, et les gens dispensés? Voilà, très bien. Les gens qui sont concernés par le jeûne du mois de Ramadan sont tout musulman qui a atteint l'âge pubère, qui a toutes ses pleines facultés mentales, possession saint d'esprit, possession de ses facultés mentales, on va dire le saint d'esprit, et puis celui qui n'est pas voyageur, voilà, celui qui n'est pas voyageur, et celui qui a la capacité de jeûner, c'est-à-dire il n'est pas atteint par une maladie qui l'empêche ou qui le gêne de jeûner. D'ailleurs, ceux qui en ont cette capacité-là, on va dispenser trois types de gens. Il y a les avant les dispenser, docteur Dourier, nous avons un appel de M. Rachid de France. Madame Vato. Allô, oui, M. Rachid. Oui, essayez de vous rapprocher du combiné téléphonique. Oui, il prend des médicaments pour le cœur. Même il prend même des antidépressifs. Le médecin, qu'est-ce que tu as? D'accord, et c'est l'avis du médecin. Très bien, Sahar, c'est Rachid. Alors, du moment qu'il prend des médicaments, il ne peut pas, c'est-à-dire, les laisser de côté. Alors, il est parmi ceux qui sont dispensés par rapport au jeûne du mois de Ramadan. On a les lécités. Et surtout, si sa maladie est une maladie incurable, chronique, apparemment, oui. Alors, il est dispensé, Inch'Allah, vous êtes dispensé, mon frère, du fait de jeûner pendant le mois de Ramadan, et puis vous avez une autre alternative, c'est de vous acquitter d'une fidya pour chaque jour du mois de Ramadan. Nourrir un nécessiteux, c'est l'équivalent de la moitié de la fitra en France. Le fitra, c'est l'aumône de la rupture du jeûne Ta'al-Eid. À peu près, c'est 2,50 euros à 3 euros. 2,50 euros à 3 pour chaque jour. Pour chaque jour, vous les donnez à un nécessiteux.
D'accord. Rabbi, Inch'Allah, il qu'adr Rabbi, il t'qabbel. Alors, à nouveau, nous avons les revenus. Madame Aïcha de Cannes. Allô? Allô? Oui, marhaba. مرحبا بك يا ولدي انا عيطت لكم باه ننشد نسقسي انا جو سوي من ايميغري وبس عندي ان بو دارجون فرونسي ان الجيري كي نعود لهنا في فرنسا نخلص لا موتي تاع زكيه ان فرونس وكون نعود في الجيري نخلص لوتر موتي است كي سي بون او سي با بون نون دينار و اون يورو فوالا يعطيك الصحه وين تصومي زكاه المال مش زكاه العيد زكاه لا Ah, voilà, la moitié en France et la moitié en Algérie. Est-ce que c'est correct? Parce que le Foukara ou le Massakine, il y en a beaucoup en Algérie. La moitié, la somme, c'est l'équivalent de 2,5% de toute votre richesse. Oui, que ce soit en dinars, que ce soit en euros. Non, le fait. Mais il faut se faire sortir l'équivalent. L'équivalent, bien sûr. L'équivalent. Voilà, oui, il faut bien sûr. Faire ses calculs, hein. C'est ça. Ouais. Oui, voilà, il faut bien calculer pour sortir l'équivalent. C'est ça. Je voulais savoir si c'était bon ou pas. Oui. Et vous prenez beaucoup de temps pour la faire sortir? C'est-à-dire vous retardez? Quand il arrive le moment. Et quelquefois, je la sors avant la date prévue. Non. De préférence, le maïdour alayha l'am. De préférence. Hein. Parce que peut-être il y a d'autres revenus qui rentreront en votre possession et vous ne prenez pas en considération ces revenus-là, ces petites sommes-là. Il faut attendre le jour et faire l'inventaire de toute votre richesse et puis vous en acquitter de 2,5%, que ce soit en France, en euros, que ce soit en Algérie, soit vous les donnez en euros pour les nécessiteux et eux, ils vont faire le change à leur guise, soit vous faites le change et vous les donnez en entier, hein, c'est-à-dire vous faites le change, l'équivalent en entier, vous les donnez en dinars. Mais le fait de donner la moitié en argent, c'est faisable. Pour les dispenser. Alors, ceux qui ne sont pas capables pour jeûner, il y a les personnes âgées qui ont atteint un certain âge qui les empêche. Ils n'ont plus la capacité physique pour endurer toute la journée, c'est-à-dire pour jeûner. Il y a la femme enceinte qui est dispensée aussi si elle veut, c'est-à-dire ne pas jeûner. Elle a une permission, d'accord. La femme qui allaite aussi. Voilà, un enfant, elle est dispensée aussi de jeûner. Celles-là, elles doivent rembourser, bien sûr, après la levée, en quelque sorte, de leur excuse, on va dire. Pour la femme qui allaite, il est recommandé, non pas obligatoire, de rajouter, en plus du remboursement, une fidia pour chaque jour qu'elle n'a pas jeûné pendant le mois de Ramadan. Et en troisième lieu, il y a les personnes atteintes d'une maladie, soit qui les gênent, soit qui les empêchent, c'est-à-dire carrément de jeûner. Et s'il s'agit d'une maladie curable, ils vont attendre la guérison, même après quelques années, et rembourser toutes les journées qu'ils n'ont pas jeûné. S'il s'agit d'une maladie chronique incurable, il n'y a pas espoir de guérison, là, ils procéderont par l'alternative de la fidya, وَعَلَّذِينَ يُطِقُونَهُ فِدِيَةُ طَعَامِ مَسَكِينَ. Et en dernier lieu, bien sûr, on a parlé du voyageur qui est dispensé. Et il faut que ce soit un voyage qui dépasse la limite du raccourcissement, c'est-à-dire la permission du raccourcissement et du rassemblement des prières. Ça veut dire 80 km et plus. Et en dernier lieu, il y a celle qui est dispensée aussi, la femme qui est en période de menstruation ou de loki. Yani haïd ou la nifes. Voilà. Question de Dr. Jouri. Mon mari a 41 ans. Oui. Est atteint de cancer du sang depuis 2 ans. Il est sur chimiothérapie. Il a de l'hypertension et diabète type 1.
sous insuline. Ou s'il n'a pas fait le ramadan l'année dernière, il ne pourra pas faire cette année. Le fait qu'elle soit sous insuline déjà. D'accord. Faire cette année, doit-il payer, sachant que nos revenus sont très moyens? Bon, c'est la règle, c'est de procéder par l'alternative. Mais cette règle-là est guidée aussi par une autre règle générale qui dit que Allah subhanahu wa ta'ala ne charge jamais une personne en dehors de ses capacités, que ce soit des capacités physiques ou des capacités matérielles, c'est-à-dire financières aussi. Mais d'abord, je vais citer juste le verset. Dans un verset concernant la capacité physique, Allah Azza wa Jalla nous dit La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Et concernant la capacité financière, matérielle, voilà, La yukallifu Allahu nafsan illa ma ataha. Si. Mais d'abord, Dr. Djouhari, il faut se mettre d'accord. Berk, maintenant, je fais quel âge nous y a le fidia. C'est 2,5 euros par jour. Berk, peut-être que ça sera dans leur moyen. Dans leur moyen. Voilà. 2,5 si on fait un par calcul. Par jour, 2,5 euros. 75 euros tout le mois. Chaque jour. C'est ça. Chaque jour, 2,5 euros. Il a vraiment un don, mais là il faut l'avoir. Voilà. Si vous n'en avez pas 2,5 euros de plus, on a des gens qui n'ont pas une idée. Je n'ai pas fait à quoi le Hajjak Bira. Non, c'est 2,5 euros en France. Voilà, bien sûr. Par jour. Sinon, la vraie mohadomatra pour tout le mois, c'est 75 euros. Nous avons M. Boualem de France. Allô? السلام عليكم. السلام ورحمة الله. يا أخي بغيت أسكسيك شحال فترة من بعد العيد. فترة أنت على العيد مش من بعد العيد. من بعد رمضان قبل العيد. العيد صغير. العيد صغيرة. ولا قبل العيد. نخرجوها قبل العيد الحين. نعم. نخرجوها قبل العيد مش بعد العيد. إيه نعم إيه. إيه. بون. Je vais répondre. C'est-à-dire, pour l'année passée, pour toute l'Europe, c'était 5 euros. Vous n'avez pas un autre question? Une autre question. Très bien. Alors, concernant l'année dernière, c'était 5 euros. Pour l'aumône obligatoire de la rupture du mois du carême, c'était 5 euros. Il y a quelques jours, j'ai lu d'une mosquée, un communiqué d'une certaine mosquée, c'est pas la mosquée de Paris, mais quand même une mosquée connue, fiable en France, qui prédit que, inchallah, le fitra cette année-là sera de 7 euros. Mais vous attendez, inchallah, le communiqué de la mosquée de Paris, la grande mosquée de la grande mosquée de Paris, ça sera officiel, inchallah. Mais El Chouia, le communiqué, c'est à partir du 15e à peu près jour du mois de Ramadan. Ils vont rendre public cette information-là par un communiqué. Pour sa femme, ça sera la moitié de le ta'al fitra. C'est-à-dire, si 7 euros, ça sera 3,50 euros. Si 5 euros, c'est-à-dire, c'est resté comme ça, 5 euros, ça sera 2,5 euros. Il y a un zakat al-fitr, 7 euros, maintenant, elle fait sortir 3,5 euros la moitié, pour chaque jour. Pour chaque jour. Si 5 euros, c'est 2,5 euros. Voilà. Pour chaque jour. Alors, vous attendez le communiqué de la grande mosquée de Paris. Bon, bien sûr, c'est cordialement. Salam alaikum, je souhaiterais savoir si je peux jeûner le mois du Ramadan car je dois prendre des antibiotiques le matin et le soir pendant
2 mois, Inch'Allah. Voilà. Après consultation de votre médecin, est-ce que vous pouvez en quelque sorte retarder ce... Non, les antibiotiques, est-ce que... non. Les antibiotiques, voilà. C'est... Les antibiotiques... خلاص, je n'ai pas de معرفه طبيه. Non, les antibiotiques, il faut que tu fasses le même temps. Ah, très bien. C'est le même, les antibiotiques. Alors, vous serez dispensé. Allez, vous serez dispensé. Vous allez rembourser. Hein. Ouais. Vous allez rembourser parce que c'est une maladie normalement qui est curable. Minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayamin ukhra. Fa'iddatun min ayamin ukhra, c'est-à-dire que vous allez rembourser ultérieurement. Je vous prie de bien vouloir me donner l'avis religieux sur le mariage d'une femme de 50 ans avec un homme de 53 ans. Voilà. Ils se sont mariés en lisant entre deux, le Fatiha, en se disant chacun qu'il accepte de se marier et l'homme a donné à la femme Sadaq. Je tiens à préciser qu'il n'y avait aucun témoin sauf eux deux. Est-ce que ce mariage est correct et maintenu? Merci de me répondre. Est-ce que... non. Ce mariage n'est pas valable. C'est pas un mariage légal, malheureusement. Maouch zawaj shar'i. Pourquoi? Parce que il y a un manque terrible, on va dire, d'un pilier ou même deux, c'est-à-dire la présence du tuteur de la femme, malgré que on peut s'en passer. On peut s'en passer, mais on ne peut pas s'en passer des témoins. Voilà. Ce qui fait que cet acte-là n'est pas légal, c'est un acte annulé, aqd batil. Il faut qu'ils se séparent et que cette femme-là observe, bien sûr, une période de viduité. Et ce mariage-là est concerné, ou on va dire, ce mariage-là, on peut le qualifier d'une relation illégale, on va dire. Une relation illégale. La zawaj illa bi waliyin wa shahidayn adlin. Comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est explicite, voilà. Oui. Alors il faut qu'ils se séparent à la minute où ils ont cette information-là. Ils se séparent. Ils ne vivront pas sous le même toit. Et la femme, pour qu'elle se remarie avec quiconque après, il faut qu'elle observe une période de viduité. Bon, peut-être elle a atteint la ménopause à 50 ans. Ça donc sera 3 mois au moins. Lunaire. Voilà, 3 mois lunaires. La question, docteur, j'ai un eczéma sur les doigts, la cheville et sur le dessus du pied gauche à cause de mes ablutions. Oui. Je la traite, elle guérit, après ça revient quand je mets de l'eau. Ma question est la suivante. Est-ce que je peux utiliser le taïmoum le temps que ça guérisse complètement, à dire complètement? Oui, je vous remercie pour votre émission. Bien sûr, bien sûr. Mm. C'est-à-dire le taïmoum, les ablutions sèches, voilà, il est prescrit pour ça en quelque sorte, pour les cas de maladie. Allah Azza wa Jalla dit فإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. La première cause qu'Allah Azza wa Jalla a cité dans ce verset, c'est la maladie. إن كنتم مرضى. Et on va rajouter, c'est-à-dire celui qui est malade, celui qui a la peur ou la crainte de tomber malade, ou celui qui craint en quelque sorte l'amplification ou la complication de sa maladie. Et vous êtes dans le troisième cas, celui qui craint la complication de cette maladie. Alors vous avez cette alternative de faire.
خوف الدور سواء البروفوك لا مالادي voilà. سواء الكومبليك voilà. سواء الريتار لا غيريزون دون لي 3 كاس vous avez droit voilà. jusqu'à la guérison complète complète totale vous n'avez aucun souci à vous faire médecin. Et d'ailleurs même الرسول صلى الله عليه وسلم dans un hadith le prophète a dit الصعيد طهور المسلم ولو لم يجد الماء لعشر سنين c'est-à-dire pour y aller trop loin il a dit même pour 10 ans voilà ce qui est peut-être Kalima, rare nous avons beaucoup de Kalima ouais, de France oui allô Allah allez est parti inchallah ta'awudna inchallah le rappel est-il halal d'utiliser le vinaigre le vinaigre balsamique déjà c'est un vinaigre s'il s'agit d'un vinaigre on peut l'utiliser le vinaigre est halal mais est-ce que vraiment même cette si appellation même s'il bien sûr il va contenir à un certain degré de l'alcool mais balsamique le terme je sais pas ouais, si mais s'il s'agit peut-être d'une boisson alcoolisée connue etc mais qui s'appelle vinaigre là, bien sûr, c'est interdit de l'utiliser dans la cuisson voilà, de la nourriture. Mais s'il s'agit d'un vinaigre, il y a plusieurs types de vinaigres, des centaines de types de vinaigres, peut-être des milliers, mais ça restera toujours, c'est-à-dire sa vie, il aura toujours le même avis religieux, c'est que c'est halal. Ça dépend ce qu'il y a. Oui. Bon, j'ai cotisé, je ne sais pas si le... transition. Ah voilà, nous avons Yasmine de Bougie, de Bijaya. Allô? Allô, bonjour. Marhaba, bonjour. J'ai une question à vous poser, s'il vous plaît, si vous pouvez m'aider. J'ai ma fille qui est diabétique. Mm-hmm. Je voudrais savoir, est-ce que je peux Mm-hmm. Est-ce que je peux la faire sortir tous les 10 jours, tous les jours, je ne sais pas. Vous pouvez m'aider, s'il vous plaît ? Très bien. On va vous répondre, madame. Merci. Marhaba. Bon, pour la donner à un seul nécessiteux, c'est un peu à ne pas... C'est souhaitable à ne pas le faire. Même si elle l'a fait, bon, on va dire que c'est permis. C'est juste. Mais, c'est-à-dire, c'est de mieux, voilà... la partager pour toucher plusieurs nécessiteux et vous avez toute la liberté de choisir comment vous allez procéder à la faire sortir. Il faut d'abord y attendre que le mois du Ramadan arrive et puis dès le premier jour vous pouvez vous en acquitter de cette fidia. Vous la partagez par décade chaque 10 jours etc. à votre guise. Hein. Il n'y a pas un texte, un enseignement. S'il m'est plus facile de donner à un seul institut, je ne peux pas. On préfère de préférence voilà on préfère mais c'est permis hein, de la donner à un seul nécessiteur hein. Voilà bon nous allons vers une toute petite transition docteur Johré après votre permission inchallah restez avec nous mesdames messieurs أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون الرحمن الرحيم الملك القدوس
الرزاق الفتاح العليم الخافض الباسط الخافض الرافع الموسع المذل السريع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المغيث الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعين المحيي المميت الحي القيوم الواجد المجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم الموخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المبسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله دكتور جوهري. D'abord, je rappelle le numéro de téléphone mis il est affiché sur l'écran pour nous appeler, nous contacter. Une question, docteur Jouhri, j'ai cotisé pour une retraite complémentaire. Aujourd'hui, j'ai la possibilité de revendre ces points de retraite à l'organisme auprès duquel j'ai cotisé, qui est l'ARCO. Ce qui me pose problème, c'est que plus ces points sont anciens, plus leur valeur augmente. Alors, je ne comprends rien là-dessus. Hein. Alors, je me demande si on peut comparer ces points de retraite complémentaires aux intérêts récoltés lorsque l'on épargne de l'argent. Est-ce que revendre ces points est autorisé? C'est-à-dire on peut le comparer à l'achat des actions. C'est-à-dire c'est le même principe, l'achat des actions, et puis vous pouvez revendre ces actions-là après une certaine réévaluation. C'est-à-dire ce que vous, peut-être le point que vous avez acheté il y a une vingtaine ou une dizaine d'années a augmenté de valeur.
Ça sera réévalué par rapport à la valeur actuelle et vous pouvez accéder voilà, à le revendre. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci dans tout cela. Je ne vois pas, moi, de souci. Du moment que c'est un peu, c'est-à-dire la même idée, le même esprit, la même idée avec l'achat des actions. C'est une société, vous achetez des actions et puis vous allez recevoir après votre retraite ce que vous avez acheté comme point. On ne peut pas appeler ça comme une cotisation parce que c'est des points et vous les achetez et vous avez la possibilité aussi de les revendre. Ça veut dire que ce sont des actions. Voilà. Nous avons avec nous Fatin de Paris. Allô? Allô, allô? Elle est avec nous, elle est partie. Allô? Allô, oui. Oui, salam alaikum. Alaikum salam. En fait, je voulais poser des questions. Oui. En fait, j'étais enceinte et j'avais pas fait le ramadan de l'année dernière parce que j'étais dans les mois de 2 à 3 mois. Très bien. Et donc, j'ai encore pas donné d'argent. Je voulais jeûner pour récupérer. Mais comme j'allaite, j'ai pas pu le faire. Oui. Et j'allaite toujours. Ma fille, elle a maintenant 6 mois. Allah ibarak fik. Alors, je sais pas, est-ce que je vais jeûner ce ramadan ou comme elle prend des petits pots et tout, est-ce que je peux jeûner et l'allaiter en même temps, si je peux? Après... Si je peux, là, si vous devez. Si vous pouvez, là, si vous devez. Je dois jeûner, c'est ça. Non. Si vous pouvez, c'est pas à nous de vous de juger. Ouais, c'est à vous d'en juger. Donc, votre question, est-ce que vous devez sommer ou non? C'est ça. Normalement, je peux. C'est à vous de juger. C'est à vous de juger. C'est l'avis du médecin. Peut-être, oui. C'est par rapport à votre fille aussi. Est-ce qu'elle se nourrit, c'est-à-dire d'autres aliments? Voilà, je lui donne des petits pots, oui. Voilà. Est-ce que ça va lui suffire? Est-ce que peut-être si vous n'allaitez pas, vous allez jeûner, peut-être que vous allez perdre le lait? Ça aussi, c'est... Tout ça rentre dans votre calcul. Mais du moment que vous avez permission, vous avez le droit de ne pas jeûner. Pourquoi vous compliquez l'existence? Pourquoi vous compliquez la vie? Déjà, elle a remboursé un mois, ça s'accumule. Vous ne voulez pas que ça s'accumule, c'est ça? Oui, c'est ça. D'accord. Et par contre, je dois jeûner le ramadan de l'année dernière ou je dois le... Bien sûr que vous allez le rembourser, voilà. Inch'Allah. Après, et vous avez toute la liberté de le rembourser le moment qui vous soit convenable. Même pendant l'hiver, les journées écourtées, etc. C'est permis. Et j'ai une autre question aussi. Oui. Je me suis mariée avec un Français qui s'est reconverti il y a deux ans et demi. Mm-hmm. Et il n'a pas fait la circoncision. Mm-hmm. Et je ne sais pas ce que vous êtes mariée, depuis 2 ans. Voilà. Non. Oui. Depuis quel moment que vous êtes mariée avec lui? Là, ça fait 1 an que je me suis mariée. Très bien, après sa conversion. Oui. Très bien, oui. Donc, par contre, il n'y avait pas fait la circoncision et tout. Donc, il y en a, ils m'ont dit, normalement, c'est pas halal, je sais non. pas. Ah, vous faites des soucis pour cela? Non. La conversion à... Au début, ils voulaient, mais après, il y avait peur. Malish. Voilà. Hein? Parce que vous vous demandez, est-ce qu'il est obligé de faire cette... Voilà. Non, il n'est pas obligé Il n'est pas obligé, madame. La conversion à l'islam ne passe pas par un bloc opératoire. Très bien. Elle passe par la conviction d'avoir la foi en la prophétie du prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam et l'intention de le suivre, c'est-à-dire dans les grandes lignes de l'islam. Et la circoncision ne figure pas dans les grandes lignes, dans les grandes prescriptions, on va dire, de l'islam. Voilà. C'est ça, madame.
Je crois qu'à cause de mon travail, je ne peux pas faire chaque prière en son temps. J'ai entendu parler qu'il m'est possible, il m'est permis, dans ces circonstances, de rassembler deux prières avec. Mais je ne sais pas le comment faire, je vais demander un peu de détails. Oui, ça peut être une excuse pour rassembler les prières. Et ça rassemble deux par deux. Hein. Les prières rassemblables. Voilà, les prières rassemblables. Si vous permettez le mot. Dhuhr et l'Asr ensemble, on peut les accomplir pendant le temps du Dhuhr ou pendant le temps de l'Asr. Apparemment, il lui du début jusqu'à la fin du temps. Logiquement. Pendant la journée. Non, il lui est plus, c'est-à-dire facile ou utile. Oui. De rassembler l'Asr et le Dhuhr en temps tardif puisque le temps les produit avec le dîner. C'est pour déjeuner. Et voilà. Alors, vous pouvez procéder ainsi, Inch'Allah, et vous rassemblez, vous faites l'intention, bien sûr, de rassembler ces deux prières-là, et ça sera, Inch'Allah, permis si vous êtes sûr que vous n'allez pas terminer votre travail, ou bien sûr, terminer votre travail et faire le parcours jusqu'à chez vous, jusqu'à l'écoulement du temps de la prière de l'Asr. Si vous avez en quelque sorte un certain temps, c'est-à-dire le temps maintenant est élargi un petit peu avec les journées qui sont plus longues maintenant, peut-être qu'on peut sortir de son travail et aller chez soi et faire l'Asr, même qu'il reste un petit bout de temps avant le Maghreb, même qu'il reste une vingtaine de minutes, une trentaine de minutes, moins que ça, le prophète عليه الصلاة والسلام nous a dit من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. C'est-à-dire au moins de coller quelques rakaat comme ça avant le coucher du soleil. Mais si vous avez la certitude que le temps ne va jamais vous suffire pour effectuer l'asr, alors vous faites cette intention là et vous la rassemblez avec la prière du Dhuhr. La même chose pour ceux qui... il y en a qui travaillent pendant la nuit aussi. Peut-être ils n'ont pas c'est-à-dire la capacité ou je sais pas l'éventualité d'effectuer le Maghrib en son temps ou l'Isha en son temps. Alors il peut rassembler aussi, cette personne-là peut rassembler les deux prières, que ce soit au début du temps du Maghrib ou à la fin du temps de l'Isha. C'est permis, Inch'Allah. C'est une alternative qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donnée pour nous alléger un petit peu la tâche. Nous avons Dr Djouhri au bout du fil, c'est Madame Nadia de Marseille. Allô? Allô? Allô, oui. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Voilà, j'ai un gros souci plutôt. Voilà, mon fils, il a eu un petit garçon hors mariage avec une Française qui est convertie à l'islam depuis 8 ans. C'est converti à l'islam depuis 8 ans. 8 ans. 8 ans. Il a eu hors mariage. Voilà. On le harcèle pour qu'il fasse le halal. Il a dit, je ne suis pas encore prêt. Voilà. Et là, comme il y a le mois du ramadan, moi, j'ai envie qu'elle vienne faire le ramadan chez nous, dans la maison. Parce que le petit, moi, je le reçois et je la reçois à elle aussi. Mais ça m'embête qu'elle fasse... Parce qu'eux, ils sont du Nord et elle est venue s'installer à Marseille par rapport pour que son fils, il ait un père devant lui. Voilà. Et moi, je ne me sens pas à l'idée que le mois du ramadan, elle soit seule. Voilà. C'est-à-dire le fait de la recevoir chez vous, Ça vous gêne que vous la receviez chez vous, c'est ça? À moi, ça ne me gêne pas du tout. Mais ça me gêne vis-à-vis de la religion qu'il n'y a pas le halal. Voilà. Oui. Est-ce que vous est permis de la recevoir? Non, il vous est permis de la recevoir. Sans avoir en quelque sorte ou sans donner en quelque sorte votre approbation, votre accord à ce qui se passe comme relation entre eux.
Mais le fait de la recevoir chez vous... Mais du moment qu'il vit avec elle, moi je ne comprends pas comment qu'il n'est pas prêt pour faire le mariage. Alors qu'il consomme en quelque sorte cette relation avec elle, qui est une relation illégale, c'est-à-dire ils sont en train de vivre dans l'illicite, le haram, et c'est pas bien, c'est-à-dire malgré qu'ils sont musulmans et les musulmanes, etc. Mais ça n'empêche qu'ils sont dans le haram, ou l'ayadu billah. Alors ils doivent immédiatement se séparer pendant une certaine période, qu'on appellera la période de viduité aussi. Oui. Voilà. Oui, ça peut s'étaler jusqu'à 3 mois, s'il n'est pas enceinte. Voilà. Et puis, qu'il trouve quelqu'un pour le faire le Fatiha, ou même peut-être pour écrire ce mariage-là à l'état civil aussi. S'il n'est pas d'accord, qu'il fasse d'abord au moins le Fatiha, le halal. Yani. Alors, voilà. Je le redis, cette manière-là, c'est-à-dire, elle est, inshallah, halal par rapport à une école juridique très, très célèbre et connue, l'école Hanafite, c'est-à-dire celui qui a forniqué avec une femme, parce qu'ils sont dans une relation qu'on peut qualifier de hors cadre de mariage, de fornication, zina, etc. Mais après une période de viduité, il peut la reprendre en mariage selon l'école juridique hanafite. C'est permis. Mais seulement, il ne vit pas avec elle, il vit chez moi. Et elle, à sa maison, elle vit chez elle. Mais je la reçois à la maison. Et chez moi, il ne se passe rien. Parce qu'elle elle ne passe pas les nuits chez moi. Moi, je ne consens pas qu'elle passe les nuits chez moi. Oui, vous avez raison. Voilà. Vous avez raison. Je ne veux pas. Eh ben, vous avez raison. Ben, vous avez raison. C'est-à-dire, voilà. Sous votre toit, vous n'acceptez pas qu'il y ait une relation qualifiée de haram sous votre toit illégal. Vous avez tout le droit. Voilà. Mais vous avez tout je voulais demander, est-ce que pour le Ramadan, forum d'Inch'Allah, est-ce qu'elle peut manger avec nous le soir? Bien parce sûr que qu'elle peut manger. Je ne sens pas qu'elle puisse faire le Ramadan qu'elle et être toute seule. Très bien. On a bien compris votre souci. Là. Voilà. Qu'elle peut manger. Chez vous pour manger avec vous, on a bien compris votre souci. C'est permis. Oui. Mais voilà. Le fait d'approuver leur relation sous votre toit, en leur donnant une chambre pour, là... C'est pas permis. Non. Là, voilà. Elle passe pas les nuits chez moi. Et voilà. Quand elle est là, elle est dans la salle à manger voilà. Avec nous. Voilà, c'est ça. C'est ça. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi falyastaghfir lisanihi falyastaghfir biqalbihi. Il faut faire tout l'effort pour amener votre fils à. Tout à fait. Ah bah oui. Il faut le forcer. Il faut avoir recours à d'autres personnes. À d'autres personnes. C'est vrai. Voilà. Voilà. Il faut faire l'effort dans ce sens. Inch'Allah. D'accord. Merci. Marhaba, madame. Merci. Naïkadrak. Merci. Oui. Le fait de faire des analyses du sang ou de donner du sang, est-ce que ça annule. Non, ça n'annule pas. Le fait de donner, voilà, de c'est donner, ça. Oui. De donner, mais. On conseille celui qui donne le sang à ne pas jeûner. Peut-être il aura des complications. Mmh. C'est au médecin de juger. Hein. Mmh. Est-ce qu'il peut, après avoir donné 250 millilitres ou je sais pas 400 millilitres de sang, un flacon ou deux, est-ce qu'il peut continuer à observer le jeûne pendant la journée sans avoir des complications? Ça, c'est au médecin d'en juger. Mais le fait... C'est-à-dire d'extraire le sang, ça n'annule pas le jeûne. Mmh. Ouais. Et si c'est pour une petite quantité pour faire des analyses comme ça, dans un tube, etc., bien sûr qu'il peut continuer, cette personne-là peut continuer à jeûner et ça ne n'annule pas, ça n'invalide pas le jeûne. Et la pompe pour quelqu'un qui est asthmatique, voilà. À chaque fois ça revient. Bon, pour la pompe, pour les asthmatiques, si c'est de l'air seulement, c'est-à-dire c'est de l'air, là ça n'invalide pas aussi le jeûne. Très bien, voilà. Ça n'annule pas. Mais s'il s'agit d'une autre manière qui, c'est-à-dire qui est liquide ou l'aérosol ou je sais pas quoi. Il faut voir.
il faut détailler. Pour la pompe qui est connue par voilà, monde, pour la pompe, la ventoline ou autre chose, ça n'annule pas le jeûne du mois de Ramadan. Très bien. Apparemment, nous arrivons au terme de cette émission, docteur Jouhri. Nous souhaitons un bon Ramadan pour tous les musulmans du monde. Un bon Ramadan pour toute l'équipe technique qui font le parcours avec nous, en quelque sorte. Oui, pour toute l'équipe technique à la tête, il y a Madame Yasmine Wadia et tout, et Asiba et tout. Et Sahandakon pour tous les téléspectateurs, téléspectatrices, nos chères sœurs et frères. Inch'Allah, Rabbi, yitqabbal minna hadha Ramadan, yuhyina inch'Allah al-Eid, yitqabbal minna al-Qiyam, wa siyam inch'Allah. Wa kull al-Muslimin, jariyatna fi al-Kharij. Rabbi, qaddara dans des circonstances. Parfois, 17, 18 heures, 19 heures de. Oui. Parfois, même au nord d'Europe, c'est 20 heures de carême, 20 heures d'abstinence. Rabbi, kun ma'ahum inch'Allah, yufqoum, ou dima Rabbi Azzawajal, yidir tawil. Rabbi, yatir ajr ahsab al-mashqa. Rabbi Azzawajal, yatir ajr ahsab al-Allah, yqaddarahum, yithabbathum, yayinhum. Merci, docteur. Merci de nous avoir prêté votre attention. D'ici la semaine prochaine, Inch'Allah, fi Ramadan, dumtum fi ra'ayatillahi wa hifdih. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam.